Plantant, tu ferais bien de ne pas semer la pagaille. N'importe quoi, je ne fais qu'aider. Aider à vous soumettre tous à mon pouvoir. Pardon ? Rien. Et dis-moi, tu vois tous ces lasers là-bas ? Tu veux dire ceux qui y ressemblent à de jolies machines à laver ? Si on les voit avec tes yeux de crétin, peut-être. Tu vas devoir faire pivoter chacun d'entre eux pour pouvoir traverser la dernière partie du fossé de l'obscurité suprême. Et j'espère pour toi qu'il ne s'agit pas d'un mauvais coup, vermine. J'imagine que Patrick sera content. Ça rafraîchit. C'est mieux. Pas aussi bon que la sauce barbecue spéciale. Bon, jette-toi sur les lasers. Bien essayé, Minus. Youpi! Répète après moi, Plancton est mon maître.
Prends ça. Ça brille. C'est le moment de passer du très... très comme une triste de pierre. Je me sens regonflé à bloc. Je me sens regonflé à bloc. Comme une brise printanière. Réfléchis.
Bonjour, Monsieur Krabs. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je jurerais avoir vu une spatule dorée ici, il y a quelques minutes. Mais je crois qu'elle est tombée dans ce toboggan. Dans le toboggan ? Elle pourrait s'être blessée. Je dois la sauver. Vas-y, mon garçon ! Sauve cette pauvre spatule ! Bien joué, Bob. C'était une belle glissette. Merci. J'imagine que toute la cire à pantalon que j'ai achetée a finalement porté ses fruits. Cha-ching! Je me suis chargée de la dernière œuvre d'art, Madame Puff. J'ai passé en revue toutes les étranges pierres lumineuses. Eh bien, beau travail, mon petit Bob. Le musée va enfin pouvoir ouvrir ses portes. Voici ta récompense. Je suis prêt à reprendre mes leçons de conduite, une fois tous les robots disparus. La présence de ces robots n'est peut-être pas une mauvaise chose, en fin de compte. J'adore ouvrir des cadeaux. J'ai la classe.
Alors, tu veux bien échanger des objets brillants? Très bien. Dans ce cas, reviens quand tu seras prêt à marchander. Alors, tu veux bien échanger des objets brillants contre une spatule dorée? Voilà un bel ouvrage. À plus tard. L'homme sirène et Bernard l'ermite. Mes héros, lancez-moi une boule d'eau. Allez, allez, allez. Non, on ne fait plus ce genre de choses, gamin. Nous sommes à la retraite. C'est le dépanneur pour l'atelier? Non, c'est encore cette petite éponge surexcitée. Oh, t'es sûr qu'il ne peut pas réparer l'atelier? L'homme sirène, ce serait un véritable honneur de réparer votre télé. Chouette! Dis, gamin, tu veux vraiment nous aider? Oh, que oui! Bon, très bien. Mais fais descendre ton enthousiasme d'un cran. Ça fait grincer mes articulations. Nous avons un petit problème avec quelques robots dans la grotte de l'homme sirène. Tu es certain d'être à la hauteur? Sans hésiter, Bernard l'ermite. Bon, emprunte le passage sous le canapé pour entrer dans la grotte de l'homme sirène. On se retrouve là-bas. C'est déjà le jour de la compote. Oh, belle. Je peux pas la prendre. Patrick doit faire sa lessive. Flash spécial de Bikini Bottom. Nous recevons des informations non confirmées concernant la menace robotique. A priori, cette dernière émanerait du sceau de l'enfer. Le propriétaire, Plankton, a formulé la déclaration suivante. Écoutez-moi, je vous détruirai tous. Et maintenant, place à notre programmation habituelle avec l'émission Cauchemar en maison de retraite. J'aime l'odeur des bulles le matin. Des méchants! L'homme sirène et Bernard l'ermite. Tu ne devrais pas surprendre l'homme sirène comme ça. Ce n'est pas bon pour son cœur. D'ailleurs, il n'y a plus grand-chose qui soit encore bon pour lui. Désolé, l'homme sirène. C'est juste que je suis toujours si heureux quand je vous vois tous les deux. Être aux côtés de deux légendes comme vous me donne le frisson de l'héroïsme. Regardez mes frissons, des frissons qui ont des frissons qui ont des frissons. On a compris, gamin. Vide ton sac et dis-nous ce que tu veux. Eh bien, il me faudrait une nouvelle paire de lunettes de soleil. Patrick s'est assis sur mes anciennes. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En réalité, c'est bien que tu sois venu. Jeune éponge, pleine de bonté. Ah oui? Ah oui? Oui, une bande de robots diaboliques.
se sont emparés du système de sécurité de notre grotte secrète. Tu vas devoir l'éteindre et les arrêter. Pourquoi lui? Nous sommes tout à fait en mesure de nous en charger. Parce que c'est jeudi et que nous avons tout un tas de rendez-vous avec le docteur. Ah, nom d'un encorné, j'avais oublié. Va voir l'ordinateur de la grotte secrète dans la prochaine salle. Il te dira quoi faire. J'accepte cette incroyable responsabilité, l'homme sirène. Vous ne serez pas déçu. Embarrassé peut-être, mais pas déçu. Direction le cabinet du médecin. Oh, n'avant. Ce n'est pas une simple éponge, c'est Super Éponge, prête à éponger le crime. Matraque, barbaque. J'ai compris, mais aïe. Je me sens regonflé à bloc. Comme une brise printanière. Jamais un spin n'aura été plus tendance. Encore une trouvaille pour Patrick. Je me sens regonflé à bloc. La grotte secrète. La forteresse de l'homme sirène et de Bernard l'ermite. Les héros super ridés. Tiens,
Carlo, quelle joie de te voir! Et pas le genre de joie qu'on ressent en ouvrant son courrier, mais plutôt celle qu'on ressent en dégustant un pâté de crabe. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Ouais, ouais, le duo de petits vieux m'a déjà raconté. Ces deux grincheux m'ont envoyé m'informer auprès de l'ordinateur de la grotte secrète. Mais, étant donné que tu es là, je te laisse t'en charger. Il se trouve juste là-bas. Non mais regarde-moi cet endroit. Enfin, je veux dire, ça leur ferait du mal de décorer avec quelques tapis et tout cet espace gâché. Comment ces deux vieux radoteurs ont construit tout ça? Oh, c'est simple. Dans l'épisode 27, la grotte de l'homme sirène se fait envahir par les piocheurs, des monstres venus des Bermudes et... Oublie ce que j'ai dit. Bob, comment est-ce qu'on sort d'ici? Eh bien, ça dépend. Tu veux la sortie piégée ou la sortie sûre? La sortie sûre, s'il te plaît. Alors, c'est par là. C'était peut-être par là. Ah, j'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Comme une brise printanière. Je me sens regonflé à bloc. Patrick sera drôlement content de récupérer ça. Comme une brise printanière. Oh, c'est brillant! Pour que je puisse reprendre le contrôle du système de sécurité, tu vas devoir appuyer sur tous les boutons qui dépassent dans la grotte secrète. Le premier se trouve là. Appuyez sur les boutons. C'est noté. Quand tu les auras tous activés, il te faudra revenir ici pour appuyer sur le bouton principal d'arrêt. Tu obtiendras alors une récompense. Revenir ici, c'est noté. Est-ce que tu m'écoutes? Écoutez, c'est noté.
Vous êtes mon héros. Hé, c'est tout jaune. Que t'est-il arrivé? J'ai une mission pour quelqu'un qui sait lancer des trucs. On s'en occupe. Je suis super fort pour lancer des trucs. Tout ce que t'as à faire, c'est de ramasser un fruit à lancer et de le balancer à l'intérieur de chacune de ces machines en entonnoir. Lancer le fruit à balancer? Non, balancer le fruit à lancer. Oui, le balancer à lancer? Tu ferais bien d'être vif, car j'ai tendance à vite exploser. Enfin, ils ont tendance à vite exploser. Youpi, c'est parti! Réussi. Je peux me reposer maintenant. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vous connais, vous. Vous êtes ce type. Il va nous falloir plus d'énergie pour activer le modulateur sanguin hydroacoustique. Tu pourrais t'en charger? J'aperçois la maison de Carlo d'ici. Et il ne porte pas de pantalon. Oh, une minute. Il n'en porte jamais. Bon, ouvre tes oreilles. 8 cylindres sont disséminés là-dehors. Si tu balances quelque chose sur l'un des cylindres, il pivotera sur le côté énergie. Positionne les 8 cylindres sur le côté énergie et je te récompenserai. Pardon, vous disiez quoi? Je regardais Carlo. Commence donc par faire pivoter ces cylindres.
m'en trimballe des trucs.
C'est parti! Nous avons assez d'énergie. À quoi vous sert toute cette énergie? À quoi ça sert? C'est pour mon bain de pied, évidemment. Tiens, prends cette spatule dorée. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Bon, où vais-je trouver des salles de bain? Quel beau bruit! Gary, je vois que tu as réussi à descendre dans les entrailles de la grotte de l'homme sirène. Oh, tu as pris l'ascenseur. Bon, comment je fais pour grimper au sommet de cette pièce? Tu as raison. Je suis sûr que ces tunnels me guideront au sommet. Bien joué, Gary. J'adore ouvrir des cadeaux. Ça brille! Je me sens regonflable! Je n'ai pas l'impression qu'il a besoin d'aide.
tanière. Aïe! Je me sens regonflé à bloc. Frais comme une brise printanière. J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. Regarde, mon garçon, il y a de l'or sous le verre. De l'or! J'en pleurerai rien qu'à le voir. Tout ce que t'as à faire, c'est d'acheminer cette énorme boule dans cette coupe. Comment fait-on rouler la boule, Monsieur Krabs? Pour commencer, on voit une bulle de bowling sur cette rampe pour atteindre le bouton. Bonne chance, mon petit Bob. Mon portefeuille compte sur toi. Je me sens regonflé à bloc. Thank you.
frais comme une brise printanière. Aïe! De rencontrer le Terminabob. J'aime l'odeur des bulles le matin. Ça sent la victoire. J'adore ouvrir des cadeaux. J'ai récupéré le contrôle sur le système de sécurité. Voilà la récompense que je t'avais promise. Tu as appuyé sur tous les boutons de sécurité. Appuie désormais sur le bouton principal d'arrêt.